du mariage de Kolo Touré avec vous. Voilà, de mémoire d'Ivoirien, en tout cas, depuis la fin de la crise post-électorale, c'est l'une des plus belles cérémonies auxquelles l'on a assisté. Et beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de professionnels, beaucoup de journalistes, beaucoup d'entraîneurs sont allés accompagner Mado et Kolo Touré pour ce mariage qui était des renouvellements de vœux en Côte d'Ivoire après s'être marié déjà en 2003 en Angleterre. Seulement 20 personnes pour un mariage dans le froid de l'Angleterre en 2003, cela n'était certainement pas à la dimension de l'amour que se vouent Mado et Kolo depuis l'adolescence. 9 années plus tard, Touré Kolo Habib, le défenseur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et sa belle, Akassou Yao Chimène Madeleine, ont décidé de renouveler leur vœu de mariage en Côte d'Ivoire. La grande mosquée de la Riviera Golf accueille Mado et Kolo et leurs nombreux invités triés sur le volet pour les échanges de consentement devant Allah. Le mariage religieux contracté, le couple donne rendez-vous à ses invités à la 7e tranche pour un déjeuner. Les artistes sont présents pour faire plaisir à Mado et Kolo. Samedi 16 juin 2012, date à retenir dans la vie de Touré Kolo Habib et Akassou Yao Chimène Madeleine. Les invités sont nombreux et distingués à l'hôtel communal de Cocody. Il en a arrêté des attaquants tout au long de sa carrière, déjà brillante et bien remplie. Mais lorsque le solide et rugueux Kolo voit arriver sa femme, celle que Dieu lui a donnée, il fond en larmes, étreint par l'émotion. Devant les témoins, Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football pour Kolo, et Madame Bakayoko Netano Yolanda, avocate pour Mado, le maire scelle le mariage. Madame, vous devez passer sur mon corps pour célébrer ce mariage. Vous êtes d'accord avec moi, non ? Monsieur Touré Kolo Habib, consentez-vous à prendre l'épouse, mademoiselle Akassou Ao Chimène Madeleine, ici présente. Yes. Ao Chimène Madeleine, consentez-vous à prendre pour épouse M. Touré Kolo Habib ici présent. Oui. Après la cérémonie nuptiale, le couple et ses invités rejoignent l'hôtel Ivoire pour un dîner. Dans la même soirée du samedi 16 juin, dans un décor féerique, au palais des congrès de l'hôtel Ivoire, un somptueux dîner gala est offert par le couple. Les invités sont heureux. Sur la scène, les artistes se succèdent. Le dimanche 17 juin, un déjeuner nuptial a été servi aux invités en zone 4. Mado et Kolo Touré peuvent être heureux. Heureux d'avoir eu un très beau mariage. Heureux d'avoir offert une belle fête pour le renouvellement de leurs vœux en Côte d'Ivoire. Comme disent les Saintes Écritures, qui a trouvé une femme a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Kolo a trouvé Mado. Qu'ils vivent heureux.